Alors vous le voyez, nous sommes en pleine préparation du spectacle du Ballet Nautique de Strasbourg qui aura lieu vendredi, samedi, dimanche à Strasbourg. Alors Anne Frush, vous êtes la présidente du BNS. Oui, c'est ça. Là c'est l'entraînement, c'est tôt le matin à 8h, les filles commencent à travailler. Oui, à 8h tous les matins et même avant puisque là elles sortent du dojo où elles ont fait des échauffements à sec. Donc elles sont là depuis un certain temps et là elles viennent d'entrer dans l'eau et c'est vraiment l'effervescence puisqu'on est à 3-4 jours du grand spectacle annuel. Alors vous allez nous expliquer un peu les spécificités du ballet nautique. D'abord, il y a de la musique. Voilà, la musique part au bon moment. C'est Sabrina, l'entraîneuse, qu'on va retrouver dans un instant. Il y a une enceinte qui est mise dans l'eau. Un haut-parleur sous-marin, oui, qui est relié à cette sono. C'est une sono portable qui permet d'avoir du son au bord du bassin sans utiliser le courant du secteur. Donc tout est aux normes au niveau sécurité. Et pour permettre aux filles d'être parfaitement synchronisées entre elles et avec la musique, bien sûr. Alors là, les filles qui sont dans le bassin sont toutes en sport-études. Oui, ce sont des filles du sport-études, puisqu'à 8h du matin à mardi, forcément, les autres sont à l'école. Donc, elles bénéficient d'horaires aménagés au niveau scolaire. Elles sont au lycée Pasteur, tout ensemble, avec des aménagements qui sont particulièrement bien faits. Et elles peuvent donc s'entraîner à ce moment-là. C'est combien d'entraînements par semaine, qu'on se fasse une idée? Oh, elles ont une vingtaine d'entraînements par semaine. D'accord, c'est du sport quasiment de haut niveau, là. C'est du sport de haut niveau, oui. Là, c'est vraiment l'élite du club. Donc ce sont les filles qui sont des lycéennes et qui s'entraînent donc de cette façon-là quasiment au quotidien. Alors Alsace 20 vous suit chaque année sur le gala. Il y a Chapiteau qui va commencer vendredi, samedi, dimanche. Donc là c'est vraiment l'entraînement. Ça va donner quoi ce spectacle? Qu'est-ce qui va se passer ici dans cette piscine? On monte une structure en trois dimensions, c'est-à-dire que comme le volume est très haut, il faut pouvoir faire quelque chose en hauteur. Donc cette année, puisque le thème est le cirque, on a monté un chapiteau en face du public, qui sert également à faire passer les nageuses et à les faire entrer sur scène. On a une île flottante qui permet de transporter les nageuses. Ah ouais. Cette île se déplace sur le bassin. Et on a plusieurs éléments en trois dimensions aussi qui agrémentent le bassin, qui cachent les plots de départ pour qu'on ne voit vraiment plus du tout une piscine. D'accord, vous en faites un vrai théâtre, théâtre de ballet nautique. Oui. Ça veut dire que les filles vont se changer, ça veut dire qu'il y a des costumes, Absolument. Sur chaque ballet, on a un costume différent, adapté au thème et à l'ambiance du ballet. Avec un maillot à paillettes de base, bien sûr, mais avec des accessoires aussi, puisqu'on ajoute des pièces de vêtements, des jupettes, des perruques, on ajoute des accessoires, comme des ballons, des cerceaux. Et toutes ces choses-là permettent bien sûr de transformer complètement la natation synchronisée en vrai ballet nautique, tel qu'on le concevait à l'époque d'Esther Williams, mais des grands shows aquatiques. Sabrina, vous êtes la coach, vous êtes en plein travail. Est-ce que c'est comme une équipe de foot? Est-ce que chaque fille a un rôle bien défini? Alors, peut-être pas comme une équipe de foot, mais effectivement, elles ont chacune des rôles différents, notamment pour les portées. Alors là, on voit une portée, c'est ça? Voilà, on voit une portée. Alors en fait, donc l'utilisation du sol est interdite en natation synchronisée, puisqu'il est disqualificatif même. Donc c'est à la force des jambes et des bras que les filles s'unissent en fait sous l'eau pour projeter ou alors pour porter une nageuse. Et les qualités qu'il faut, les qualités requises pour être une nageuse de ballet? Déjà des qualités de souplesse, de grâce, d'expression artistique. Donc à la fois d'être souple et musclé, donc c'est tout le paradoxe de la discipline. Et c'est pour ça que c'est une discipline qui demande beaucoup d'heures de travail. La difficulté pour le gala que vous allez présenter vendredi, samedi et dimanche? Elles seront dans le noir et suivies par des projecteurs. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire aux entraînements, ça arrive jamais. Donc des petites difficultés de repère peut-être sous l'eau parce que quand il fait noir et qu'il y a juste une lumière assez éblouissante qui vous suit, c'est pas toujours évident puisque les repères visuels sont très importants et les filles ont beaucoup de cœur et mettent beaucoup de cœur à y arriver, donc je pense que ça le fera. Voilà, merci beaucoup Sabrina. Toutes les informations s'affichent actuellement sur l'écran, à ne pas manquer, vendredi, samedi, dimanche.